C'est marrant, mais j'ai souvent cette affirmation comme quoi on n'apprend plus rien après 20-25 ans de pratique. Mais c'est absolument pas le cas. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je suis Lionel Froidure et mon but est de t'aider à progresser en dehors de ton dojo. Prenons un exemple. Pour chaque dan mérité et travaillé, il faut environ 5 ans de travail. Soit 20-25 ans pour arriver au 5e dan. Ce niveau-là nous a permis de voir l'étendue du style, mais absolument pas sa maîtrise. Car entre connaître et maîtriser, il y a un fossé, tout un monde qui les sépare. Quand un débutant demande à son coach « qu'est-ce qu'il va apprendre de nouveau aujourd'hui ?», un avancé va demander à son sensei « comment il va pouvoir creuser plus profondément son sillon ?» Tout simplement, comment aller plus profondément dans un travail qu'il a déjà vu, mais qu'il ne maîtrise pas. Il sait qu'il ne sait pas. Je doute qu'un artiste de renommée mondiale se repose sur ses lauriers, tout simplement parce qu'il a eu plusieurs peintures ou plusieurs disques qui ont fonctionné. Aux yeux des autres, ceux qui sont à des décennies de travail, ils ne voient que la perfection, la beauté. Mais lui, ce qu'il voit, c'est les défauts, les détails qu'il peut corriger, qu'il peut progresser dessus. C'est là toute la grande différence. Et pour lui, la perfection n'est pas là. Et il doute qu'elle sera un jour sienne. Comme le dit de très nombreux sensei, que ce soit en France, à l'étranger, à Okinawa, comme j'ai pu avoir l'opportunité d'aller m'entraîner et de suivre ces sensei, de les rencontrer, de les interviewer dans mes documentaires, ils disent tous qu'ils ne sont absolument pas arrivés et qu'il leur faudrait plusieurs vies pour pouvoir continuer ce qu'ils ont commencé à découvrir alors qu'ils ont passé toute leur vie à pratiquer. Alors comment peut-on dire qu'à partir de 20-25 ans, on a tout vu ? À méditer. Mais en attendant, bon boulot. Et si tu as besoin de conseils, d'aide, n'hésite pas à rejoindre mon club vidéo qui contient des centaines d'exercices, des heures et des heures de travail, de conseils pour pouvoir booster ta pratique et te faire aller plus loin, plus profondément dans ta pratique, dans les sillons que tu as déjà creusés.